Salut à tous, une petite vidéo pour vous montrer un atelier qui est fort utile. Moi, je me régale à cet atelier. Il est ici, c'est une usine de munitions reconvertie. On est vraiment dans la diagonale, par là-bas. Et un gros avantage, c'est que dedans, il y a un constructeur de munitions. Du plomb, de l'aluminium, de l'argent. Donc c'est assez faramineux. Donc le plomb qui vous servira à faire des munitions. Ici, vous arrivez ici, il y a plein de choses à faire. Il y a aussi, le vertibot et dedans des balises fumigènes de vertibot. Donc on va les utiliser, je vais juste vous montrer l'intérieur. Alors ça fait quoi? Allez, 20 minutes à tout casser que j'ai capturé l'atelier et il m'a pondu. Alors vous allez voir, bon, faut quand même 20. 4 générateurs de 20 pour réussir à le faire. Il m'a pondu 220 munitions de 10 mm. C'est assez énorme, je trouve, personnellement. Je suis assez fan. Je dois l'avouer, je suis assez fan de cet endroit. Alors, du coup, j'ai récupéré des balises, comme ils appellent ça. Allons les tester. Alors, des balises. Tenue, arme. Alors, balise. Voilà. Non, alors ça doit être ça du coup. Wow! Le truc il a décollé. C'est énorme! J'ai des balises qui nous permettent de faire quoi? D'amener le vertigo. Qui, je suppose, devient une arme. Wouah, bah c'est normal. C'est assez ultime. Alors, j'attends encore un peu. Donc, en plus de toutes les ressources, ça nous permet d'utiliser le vertigo. Vertibot. Je suppose que s'il y a des méchants... ça doit être fort utile. Et en plus ça respawn. Donc là bah... ah non, du coup j'en ai toujours que 10. Bon. Il est où? Ah oui, vous avez un système de défense, hein, emplacement pour arme. Il se pose à un moment donné ou pas? Bon, voilà, je vous ferai une autre vidéo sur le vertibot. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.